Bonjour, Nicolas Reynaud, vigneron en Saint-Joseph. Aujourd'hui, c'est la période de l'ébourgeonnage qui va durer une bonne dizaine de jours. On voit que les pousses sont bien avancées, la végétation est bien avancée. L'ébourgeonnage consiste en fait à supprimer les rames inutiles et à sélectionner le nombre de rames qui comportent des raisins afin d'atteindre le potentiel requis pour faire du Saint-Joseph. Les raisins, nous les voyons deux par rame, et on enlève aussi les rames qui ne servent à rien, qui sont là pour épuiser la plante et qui vont créer un environnement néfaste pour la vigne. Une parcelle comme celle-ci, pour vous dire, c'est à peu près 50 heures de travail d'ébourgeonnage.